La lutte contre le coronavirus, un défi pour la Guinée. Après la suspension du trafic aérien il y a quelques jours, un nouveau communiqué annonce la fermeture des classes pour une durée indéterminée. Cette mesure de prévention est accueillie comme un coup de tonnerre par certains chefs d'établissement privés. Bien sûr, nous savons que nous serons frappés par des crises financières parce que les écoles ne sont pas de temps subventionnées par l'État. Ce que les parents payent, c'est ce que nous prenons pour payer nos encadreurs. Nous serons frappés, mais nous allons, chacun dans son école va essayer de voir comment il faut tout faire pour payer les enseignants. Puisque nous avons travaillé jusqu'au 19 mars de ce mois. Donc les semaines dont nous avons travaillé, nous allons essayer de voir comment remédier cela, afin que les encadreurs puissent rentrer en possession de leur dû. Les parents d'élèves peinent à payer très difficilement les frais de scolarité, même si les écoles sont ouvertes, à plus forte raison que nous sommes frappés par cette épidémie. Mais nous allons tout mettre en œuvre, dès que les choses vont reprendre, nous allons tout mettre en œuvre pour régler la situation de nos encadreurs, parce que ça y va dans l'intérêt de l'école. Face à cette crise financière qui guette les écoles privées, certains enseignants s'interrogent. C'est le cas de ce jeune professeur pour qui le gouvernement doit savoir planifier les mesures d'exception. Ah, c'est un acte qui m'a beaucoup surpris. Les enfants sont restés à la maison pendant à peu près 2 semaines. Et aujourd'hui encore, on nous oblige aussi de rester à la maison. Alors, la question que je me pose, comment nous allons faire par rapport aux différents examens? Les examens étaient déjà programmés. Est-ce que les programmes seront achevés? Dans les écoles, vous regarderez et vous allez trouver que les professeurs sont à peu près à 60-68%. Est-ce qu'ils peuvent épuiser le programme d'ici la fin de l'année? Et si les programmes ne sont pas terminés, comment seront aussi les différents examens? Ce sont ces différentes questions que je me pose. En tant qu'enseignant aussi, je me demande, les enseignants évoluant dans les écoles privées, quelle serait leur situation par rapport à la paye? Parce qu'il y a ces écoles où les gens sont payés en fonction des heures enseignées. Et on a fermé. Déjà, le mois de mars n'est pas consommé à 100%. Ça veut dire qu'on n'en bénéficiera que 50% des salaires et le mois d'avril aussi. Contrairement à d'autres enseignants, Aboubakar Bangoura a une activité parallèle. Attendant l'ouverture des classes, il se concentre sur son bar-café, même si cela ne lui suffit pas pour faire face aux besoins vitaux de sa famille. Mais franchement, la nouvelle-là nous a surpris et puis vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des pères de famille parmi nous et vouloir fermer des écoles comme ça là à une date qui n'est pas connue. Franchement, ça va tellement nous déranger, ça va nous fatiguer avec notre petite famille. Ah, ça dépendra des fondateurs et en même temps les parents d'élèves parce que nous avons ces difficultés-là chaque année. Surtout l'année-là va être une année exceptionnelle parce que les parents d'élèves diront forcément les mois qui ne sont pas étudiés par leurs enfants, c'est pas facile qu'ils vont payer. Alors s'ils ne payent pas, est-ce que les fondateurs de ces écoles aussi vont nous payer? Alors ça va être un autre problème, non seulement pour les écoles, mais pour nous qui travaillons dans ces écoles-là. Alors c'est un grave problème qui va au moins nous fatiguer un peu, surtout nous qui avons la famille. Avec le coronavirus, les enseignants du privé semblent donc mal barrés. Soumis au congé forcé, ils vont devoir se soumettre à la décision des principaux payeurs que sont les patrons d'établissements d'enseignement privés et les parents d'élèves.